Ah ouais, ça te met direct dans l'ambiance, quoi. À peine lancé. Jonah, t'es là? Chaud. Jonah, je t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Du calme, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis là-haut. Ce sera pas long. Ça va rejoindre ou quoi? Ah ouais, ok. Oh, punaise! Aïe, 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 aïe. C'est vrai que... Ah bah, il est beau le jeu. Oh là là, ah là là! Putain, sa jambe. Putain. Eh mais elle est complètement voilà. Ah ouais d'accord là, donc là, ah punaise, je croyais que c'était une cinématique, en fait je joue là. Ah d'accord, là je joue genre. Ok. Ah ouais, dinguerie. Ah ouais. Comment c'est bien fait là, ce système là. Pas mal. Ah ouais, putain, elle était longue, elle est tombée vraiment profond. Hein. Ah ouais, d'accord. Attention là, je découvre si ça irait bien. De toute façon, il y a pas mal de jeux qu'on va faire ensemble, donc on verra bien. Jonah, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les trinitaires n'ont pas fini. Ils protègent quelque chose. Lui, 6 semaines, et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des Trinitaires. Mais j'ai parlé à des gens en ville, et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Dominguez, on devrait enquêter. Ah ouais, what the... Ah ok. Ok. Ok, pas mal. Oh là là. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Pour un jeu PS4, franchement, il est vraiment beau. Et encore là, on voit pas très bien parce que du coup, on est dans une grotte, donc ça assombrit, mais... Mais croyez-moi que sur mon écran, on est sur de la qualité quand même. Même malgré que c'est sur PS4... Franchement, c'est quelque chose, quoi.
Même si malgré le jeu il est sorti en 2019, franchement, ça va. J'ai connu des jeux, ils sont encore pires que ça. Et lui, franchement... Lara ! Oh, mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure ? Non, ça va. C'est quoi tout ça ? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Lara ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Lara ! Non, j'ai besoin de ça ! Allez ! Tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. Tu serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonar. Eh, ça te dit de souffler un peu, on pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va, je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Eh, je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Du nouveau sur le docteur Dominguez ? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va ? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Pérou. Pérou. Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons, y va. Hé, hey, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse.
Terre sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais. On va le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Salut, Sonny. Ça va? Hola. Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Mire, para mi papá. Je pourrais en allumer un pour ma mère. J'aime pas vraiment la fumée. Faire les gardes tempêtes, il est immortel. Non, je survivrai. Jonah, il arrive à la porte. Bien, ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Hé, les gars! Ça va? Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. Paix à son âme. J'aurais voulu faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. A plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Jonah, j'y suis. Ok. Ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. Pardon, excusez-moi. Fiasco au Brésil. Personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine. Pardon. Ouais, vas-y, oui, si monsieur. Tu veux. Hein. Tout le monde se tient prêt. Jonah, Dominguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Okay, mais... je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Il faut qu'on fasse attention. Lara. Oui, c'est bon, je t'entends. Disculpe, c'est... c'est moi. Déclencher un piège au premier cycle. Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, mon commandant. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. T'as sa photo. Une femme blanche. Une vingtaine d'années. T'as compris? Bien. Alors? Il la trouve. Bien. Hors de question que qui que ce soit empressé. Oye! Pardon? Cierra la puerta al salir. Ok. Lo siento. Ne t'en fais pas. Vas-y, la joue.
découvertes sur le site. C'est tout simplement incroyable. C'est la clé de notre prochaine étape. C'est bien ça. Nous serons prêts. Jonah, ils sont dans le site de fouille. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Ces ruines cachent forcément quelque chose d'autre. Une pyramide maya, à l'intérieur d'une sorte de caverne. C'est fascinant. Emmenez-le dans les ruines. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Non, non, pitié. Ça sert à rien de piquer les choses. C'est ta faute. Allez, dépêche-toi. Stop, attendez, je représente le gouvernement. J'ai trois d'eux. Et maintenant, monsieur l'archéologue en chef, on vient de mettre un terme à votre... Pitié, non. J'ai de l'argent, je peux vous... Je vous ferai pas de mal. Vous aidez les Trinitaires ? Ils ont trouvé quoi ? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Jonah, les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Ici le commandant Rourke. À toutes les équipes, préparez-vous pour l'opération Nuit Noire. Je la reconnais. C'est Ishel, la déesse de la pleine lune. Oh, et là c'est Shakshel, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shakshel, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Bon, il faut bien que je descende. Bon, ça devrait marcher. Ok, alors... Commandant Rourke, sécurisez toute la zone. Dès que le docteur Dominique sera là, on entrera tous ensemble. Eh ben, le jeu y est pas mal, hein. À toutes les unités, tenez-vous prêts. Le docteur Dominguez est en chemin. Oh non, je dois me dépêcher. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est bon. Ah d'accord. C'est bon. Je vois ce que je dois faire. La statue regarde cette caverne. Cette caverne. Ah ouais. Okay.
Voilà. Jonah, j'entre dans une caverne. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Je vais surveiller les trinitaires. Champignons. Pas mal les petites animations et tout. Pas mal. Cette caverne a l'air d'être souvent inondée. Ah. Les bas-reliefs sur ce monolithe Maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. Ok, alors. J'ai un trou là. Voilà. Ah ouais. Mais où je suis tombé? Alors. Voilà. Il y a une grotte là. Enfin, une grotte sous-marine là. Ah, il y a un coffre. Bon, désolé si c'est un peu long, mais vu qu'il y a des ressources, j'ai pas trop le choix d'aller farmer un peu et voir ce que ça dit. Peut-être que je pourrais faire des choses avec. What the fuck? Oh là là, il y a des anguilles. Aïe. Bon, ça va. Ça va. Hein? Oh non! Mais là, je suis coincé, là, je suis...
Non. Aïe, aïe, aïe. Comment je vais faire? Allez, 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 allez. C'est pas vrai. Ah, pour ceux qui aiment pas être enfermés comme ça, ça doit être compliqué, vraiment. C'est... Allez, allez, libère-toi. Aïe, 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 aïe. J'avoue, ça doit être compliqué. Ça doit être une phobie, ça. Non, non, non. Bon. Je dois trouver le temple que Dominguez cherche partout. Ah, j'ai pas de couteau. Bah, il est où mon couteau? Oh, sérieux. Ah, couteau renforcé, ok. Ouais, j'ai un couteau, mais je crois qu'il est pas adapté. Ah ouais, d'accord, j'ai des armes. Ah ouais. Il y a eu quoi là? C'est des rituels? C'est quoi ce bordel? Oula. Oh! J'ai failli. Ah ouais! J'ai failli mourir. What the fuck? Ok. Jonah, j'ai réussi. Je suis dans un temple souterrain. Pas bon ça. Lara, les trinités rentrent à l'explosif. J'entends ça. Ça crée des secousses. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet. Ah. Elle est où là? Ah mais je sais pas où faut que j'aille. Lara, comment ça va? Bien. J'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. Je t'entends mal. Il y a de l'activité ici. Je vais me rapprocher. Matériau. Ok, là je crois que c'était là où j'étais, non? Aïe, 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 aïe.
Mais non, mais en fait, je sais pas. Je sais pas où je dois aller. Je dois aller ici. Mais ouais, bah, je pense que c'est par là, normalement. Ah, mais en fait, c'est pas assez éclairé, on voit pas trop en fait. Et le truc, c'est que avec sa petite lampe là, elle éclaire pas des masses, alors compliqué. Comment ça va? Bien, j'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. Je t'entends mal. Ah, des contrepoids ici. Je vais m'approcher. D'accord. Des contrepoids, faut que je trouve un truc qui. Ah, mais ça, du coup. Attends, attends. Ah ouais. D'autres. Oh là là, mais je suis vraiment nul, hein. Oh là 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 là. C'est une dinguerie, ça, par contre. Trop nul. Oh là là. Eh. Oh là. Oh punaise. Encore un peu et j'étais fini tôt là. Et par quoi là? Ah. Non mais je veux pas que tu... Oh mais je voulais pas que tu tires. Comment? Ah ok. Let's go. Ça c'est stylé. Ok, d'accord. Non. Ah ouais. Ok, faut faire attention, il y a des pièges de fou là. Ah ouais, là faut pas aller trop vite. Voilà. Donc tu te fais embrocher en mode barbecue, tu connais. Là il faut faire attention. Hein. Ça peut aller très vite. Allez, allez, allez! La cloche de la plateforme est coincée. Tire. Ah. La musique qui s'accélère. Vraiment?
Mais je suis con, moi. Ok, alors attends, il y a un truc à faire là. Donc, j'arrive à comprendre le bail. Ok. Donc ça, forcément. Là, il faut que je pousse, que je détruise ça, quoi, en fait. Ça. Mais... pas trop compris le délire là. Comment je fais pour la cloche? Ok, j'ai failli tomber. Ah voilà. Ok, let's go. Voilà. Est-ce que je vais là pour aller là ou je vais là? Ouais, je pense que je vais. Ah non! Ah ouais, elle se dépêche pas, c'est génial. Où il est, ah ouais. Va falloir que Okay,
Oula. Réflexe. Jonah ? Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinitaires ? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami, une tempête, un séisme, l'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. On dirait la constellation de l'Hydre, mais les étoiles ont l'air mal alignées. Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. On peut pas laisser faire les Trinitaires. Ouais, on va réfléchir. Merde, Lara, il y a des Trinitaires qui viennent vers toi. Jonah, reste pas là, remonte. Oh non, tu l'as prise, c'est ça? Vite. Ils sont en route. Qui ça? Le docteur Dobby et les autres hommes. Apparemment, la troupe est cherchée. Alors le siège commence. Ouais, c'est pour ça qu'on a des renforts. Faire en sorte que tout se déroule correctement. Comment ça se passe avec la pompe ? Réponds-moi ! T'as fini avec la pompe ? L'opération Nuit Noire a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Ah merde. On s'est préparé. Vérifie que la zone est sécurisée. Quoi qu'on trouvera le bois ? Je sais pas, mais il paraît que ça va être incroyable. On va vérifier que la zone est sécurisée avant que le commandant Rourke arrive. Sans prêt. Les inspecteurs arrivent, soyez prêts. L'inspecteur arrive, soyez prêts. Je passe au prochain secteur. Bien reçu.
T'en fais pas, je vais réparer ça. Ah, qu'est-ce que c'est long. Dominguez va nous attendre, quand il arrivera, ça va pas être joli à voir. Il se passe quoi à la porte? Les archéologues sont là. Là? Ouais. L'opération Mine Noire va prendre un peu de temps. Mon rapport. Je déteste ce putain de pays d'Islamand. On peut rien construire sans que ça pète. Je vais devoir faire vite. Bon, on va se battre. Quoi ? Je vais y aller de la police. Viens nous aussi. Sois prêt quand ils arrivent. Saleté, Darkiel. Vous êtes bien fait pour la gueule. Ouais, ça fait des années qu'il était ça. Bien, ils sont trompés. J'espère que ça valait le coup. Ouais. C'est quand on aurait mieux fait de s'occuper de leurs affaires. Bougez, ici l'équipe Gamma. Où sont les renforts? QG à l'avant-poste. Répondez. Avant-poste, vous êtes là? À vous. Tommy? Je vais pas tarder à revenir. J'espère. Bordel, elle nous chasse! Je dois découvrir ce qui se passe. Oui. J'ai besoin qu'on me confirme des coups de feu. J'ai jamais aimé les hélicos. J'espère que c'était les derniers. Arrêtez! Ne lui faites pas de mal. Lara Croft. Je ne pensais pas vous rencontrer de cette façon. Je m'intéresse de près à votre travail.
comme tous les Trinitaires. Ah, ce soir, il y aura du Touquet, je pense. Il y a un joint qui m'a proposé de faire du Touquet ce soir. Du coup, je crois que je vais passer Touquet, vu que ça fait un moment que j'ai pas joué dessus. Quand même faire un petit live dessus, je pense. Où est la boîte d'argent, Dichel? Donnez-la-moi. Elle est à l'abri. Après, c'est dommage qu'ils ont pas donné dans le forfait PS Plus que t'as pris là la possibilité d'avoir Touquet. Ça aurait été pas mal. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde. Sans la faiblesse, la cruauté. Et bien sûr, sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes, tout ça grâce à vous! Vous auriez fait la même chose! Certes. Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation? L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle nous consume. Oh là là. De la hauteur. Aïe.
là là. Non. Oh. Bon, au moins là je peux plus prendre de hauteur, mais je peux prendre que ah ouais. Ah ouais. Incroyable. Le son, il a l'air fort un peu, non? Effet sonore, on va baisser un peu. C'est... Non, mais non, mais. Oh là là! C'est pas vrai ça! Ok. Il y a la... Oh putain, c'est pas vrai. Il y a lâché le petit. Voilà. Il est dans des pics, hein. Je sais que moi je me suis fait embrocher 2-3 fois là, donc. Avoir des pics, hein. J'étais tellement inquiet. J'ai échoué. Pire. Comment ça? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdu. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui... On doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok. On s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent! D'accord. Mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri! Pas s'ils trouvent la boîte avant! Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque... La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi! Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Qu'est-ce qu'on a, hein? Une énigme? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Je vais aider ces gens. Et je trouverai un avion. Là, pour une catastrophe, c'est une catastrophe là. Punaise. Incroyable.
Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit « Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. » Qu'est-ce que c'est que ces jumelles ? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne ? T'as une idée ? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr ? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami ? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hé ! J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment ? Mais oui ! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout prêt. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les trinitaires. Miguel, y a un coin pour atterrir ? Oui, je peux vous déposer près de Kouakaku. Allons-y. Accrochez-vous, ça va secouer. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais blesser l'avion ! Ah ouais, super, on s'est crash. C'est Jurassic Park ou quoi? Ah ouais. Oh là. Ça pourra servir. Ah, m'en faut trois. Jonah !
Je vais garder ça pour plus tard. Mais où est-ce qu'ils sont? Je dois les retrouver. La montagne couronnée d'argent. Je me rapproche. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. Des singes hurleurs. Un feu. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Eh oh ! Jonah ? Miguel ? Vous m'entendez ? Vous êtes où ? Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Un bout de l'avion a atterri. Je n'aurais jamais... Mon matériel est dans le conteneur. Je dois arrêter ces cataclysmes. Avant qu'il ne soit trop tard. J'ai besoin de quelque chose pour couper ça. Je peux pas ouvrir ça à main nue.
Bon, déjà, j'ai pas de couteau. Ça, voilà. On va monter là. Un, deux. Je peux pas ouvrir ça à main nue. Ah ouais, j'ai perdu tous mes armes et tout là. Ah ouais, je peux rien faire. Je suis complètement perdu. Je peux pas ouvrir ça à main nue. Bon, déjà, je crois que je peux me soigner là, non? Ah là là, mais il y a bien un moment donné, je vais réussir à trouver du matos, quoi, non? Moi qui a du matos quand même. Il y a peut-être un morceau de métal coupant dans ces débris. Peut-être un bout de métal de l'épave. Ah ben super. Bon, ah ben... Notre chance d'avoir un peu de métal coupant, ben, c'est pas possible quoi. À moins que... Voilà. Yeah, yeah. Ah. Punaise, on va toucher. Crie. Crie, mon gars. Allez, dégage de là. Punaise. Y'a rien à prendre ici. Bon. Déjà, on a récupéré un truc. Pas mal. C'est émoussé. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. Ah, super.
pile ce que je cherchais. Il m'en faut juste un peu plus. Ça manque de tranchant. J'ai tout ce qu'il me faut. Je devrais retourner au campement. Ok. On se met comme ça ou pas? Et dire qu'ils étaient comme ça avant. Ça a bien évolué. Ça devrait être assez coupant. Le conteneur est encore retenu par un truc. Génial. Je peux récupérer mon équipement. Oh. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit ? Miguel, où tu es ? Merde ! Non, y avait pas que ça, si ? Ah bah, apparemment... Mais non. Voilà. Let's go. Miguel ? J'aime pas ça. Miguel ? Où tu es ? Oh non. Miguel ? Miguel ! Oh punaise.
Les traces de sang et tout. Miguel ? Oh. Ah ouais. C'est plus une tache de sang, là. C'est vidé, là. Ah putain. Oh oh. Oh punaise. Ah ouais. Bon, on fait demi-tour. Soyons pas fous. Respire. Ah, y en a pas un. Il y en a plusieurs. Super. Non. Hey. C'est bien ça. Ah. Ça fonctionne. Attends, mais j'ai pas compris là. Hein? Il m'a pas tué? Enfin, comment ça se fait? C'est quoi ça? Là, par contre, moi je suis plein de boules là. C'est ça qui a masqué mon odeur là? Soigné. Des trucs pour me soigner.
Bon, j'ai encore envie. Voilà. C'est un bout de l'avion. Jonah! L'avion. Jonah, t'es là, Jonah? Ok, ça c'est cool ça. J'ai cru que t'étais mort. Hey, tu sais où est passé Miguel? Il a pas survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Assieds-toi. Aïe, aïe, aïe. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah? Hé, je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les Trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kouakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Je suis soulagée d'avoir retrouvé Jonah. Surtout après ce que Miguel. Au moins, Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Les jaguars, je veux pas qu'ils s'inquiètent. On doit rester concentrés si on veut garder notre avance sur les Trinitaires.
passer par ici. Tu m'aides ? Tu vois ? Ça doit être Kouakiaku. Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. T'es sûr que c'est le chemin ? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Oh. Oh ! Mon Dieu. On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Oh. Non, je te tiens. Ça va aller? Ça va, plus que quelques pas. Ok, ok. Tout va bien? Ça va, je gère. D'après toi, qui a bâti tout ça? Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. On pourrait peut-être le remonter avec ses contrepoids. Peut-être. J'espère que cette structure est là parce qu'on est sur la route du village. Moi aussi. Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Rien. Ok. On va relâcher. Doucement. Il faut que je fasse couler l'eau. Il faut que je fasse couler l'eau.
fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant la nuit où j'étais chez toi. T'aimais pas ça? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Oh, le seau fuit. Très bien. On va réessayer. C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Et voilà. On peut traverser. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. On dirait une sorte d'hôtel, ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est ? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. C'est pas le même genre de ruine qu'au Mexique. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou. Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou, Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou... Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. Un passage. C'est prometteur. Je crois qu'on peut partir par là. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Thank you.
Mais j'esquivais, gros. J'esquive. Rond esquivé. C'est exactement ce que je fais et pourtant, ça marche pas. Où est Léo, lui? Oh putain, il est rapide de fou. Et où il est? Merde, non! Mais c'est une dinguerie, j'ai. Mais je comprends pas! Mais... un câble. Je comprends pas du tout là. Il est où lui déjà là? Jonas là, il est où? Oh non. Pète un câble. Déjà lui, je sais même pas il est où là, il est en train de morfler ou je sais pas quoi là. Et... t'es où mec? Je sais même pas où je dois aller. Dépêche-toi, putain. Ah ben bon, je suis à fond là, je cours à fond. Là. Ah ouais, mais gros, oh, mais tu veux que je vais où? Non mais ça, y a pas de direction, je sais pas où aller. Je comprends rien. Je comprends vraiment rien du tout. Si je serais où aller? Encore un rigueur. Je crois que je dois le tuer. Hein. Pas le choix. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, qu'est-ce qu'elle fait plutôt? Mais... oh là là, c'est pas vrai. Allez là, mais pas trop fort, ramasser un truc, putain. 10 ans. Hein. Oh.
mais... Ah, je peux pas venir maintenant, mon gars. C'est en combat, là. Allez. Il meurt jamais et il lui faut combien de flèches lui? Le fuck? Je sais que t'es un tigre mais à un moment donné il meurt hein, je sais pas moi. Voilà. Punaise. Je sais pas combien de flèches il lui fallait lui mais... Ça va aller? Je veux bien que tu m'aides. Dur. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui. C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêchée d'être curieuse, bien sûr. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ichel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ?
Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste. Non, non. J'aime bien ce monde. C'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Pour prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Lara, ça avance tes exercices de marche ? L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini ! Les murailles du château l'appellent. Tentatrice. Notre héroïne croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. Lara s'envole au-dessus d'un lac de lave en fusion. On dirait qu'il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau. Je dois faire mieux que ça. Alors là, je sais pas ce que je dois faire, mais... Le sol se dérobe. Lara plonge dans les ténèbres. Incroyable. Croft pénètre dans une chambre funéraire, inviolée depuis plus de 1000 ans. La Reine Blanche est enfermée, mais personne ne l'oublie. La fouille révélera bientôt tous les secrets du site. Des tombes récentes. Le roi n'est pas tendre avec les intrus. Les portes du château sont bien gardées. C'est pour ça que notre héroïne évite la porte d'entrée.
Maintenant, en route pour la tombe interdite. Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi. Mais quel est le rapport avec Lara? Elle est dans sa chambre. Elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps. Punaise, déjà petite, mais qu'à l'escalade... Oh. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Château est plus haute qu'attendue. Notre héroïne continue son ascension pour trouver une entrée. Aïe. Notre héroïne remarque une autre entrée. C'est chaud, là. La jeune Lara risque une chute mortelle en avançant, mais elle fait le vide dans son esprit. Oh. Reprend l'équilibre et sa progression. Direction la tombe interdite. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. La petite, elle a une grande imagination. Elle doit trouver une autre entrée. Même si c'est dangereux. Notre intrépide aventurière a atteint le sommet. Incroyable. Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Mais dans quoi je m'embarque encore ? Oh merde ! Elle est tout près maintenant. Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur, et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Ugh.
Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Le roi et la reine blanche. Il y a un truc avec les boucliers. Une barde de la moitié du 14e siècle. Germanique, je dirais. Une barde pareille. C'est une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse? La femme. Quoi de mieux qu'une femme pleine de bonté? Rien. La tête du roi David. Le berger est devenu roi. Quel destin! La coupe de Saint-Jean. L'apôtre avait reçu un calice de vin empoisonné. Mais il a béni la coupe et le poison s'est transformé en serpent. Il a donc pu boire le vin sans problème. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être? Un rouleau byzantin. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur Justinien. Un artefact égyptien. Une boîte du mauvais œil. Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà. Mais où sont les pions blancs?
Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. En fait, je sais pas, c'est quelles coordonnées. C'est ça le problème. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être ? Non, la robe peut pas renfronter de nombreux dangers. Pour porter de nombreuses ministères de la reine blanche, une aventure incroyable. La dixième noire, la reine blanche. Deux boucliers. 30 nord, 90 est. 30 nord, 90 est. Ok. Non. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Ça a marché. Ok. Croft a rejoint la mezzanine interne. Un Yatiri, un guérisseur sud-américain. Un bébé tyrannosaure. Est-ce qu'il a perdu sa maman, lui aussi ? D'où qu'on les regarde, ces masques ont l'air de vous observer. On dirait que c'est Maya. Kukulkan, peut-être ? Je me demande qui sont ces deux chiens. Des crânes d'animaux. Un présage de mort. Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant. Un ossuaire. Il contient les os d'une personne décédée. L'inscription est illisible. Une statue d'un hariki. Ça vient des îles Cook. 25e dynastie. L'intérieur du sarcophage est incroyablement élaboré. On dirait que c'est grec. Non, perse. Je me demande ce qu'elle peut garder.
Les ailes de la chauve-souris se déploient. Un masque tribal africain, tout en or. Le masque mortuaire d'Agamemnon, trouvé à Mycène. Une lionne perse. Mais quelqu'un lui a pris sa tête. Je me demande ce qu'elle regardait. Du chevalier réfléchit le rayon de lumière. La voilà, la reine blanche, prise au piège. Je dois l'aider. Je dois libérer la reine blanche. Maintenant, je peux la libérer. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Battant, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. C'est à maman. La voix est hantée. Par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit : Non, je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Tu l'obliges à compter sans son père. Je serai de retour dans un mois, je t'approche. Combien de fois je l'ai entendu que tu reviendrais dans un mois ? Amélia, c'est très très important. Je ne peux pas abandonner mes responsabilités. Je suis sur le point... Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession ? Mon obsession ? Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Tu pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mais bon sang, rien ne vous oblige à vous... Papa ? Allons, je vous en prie, vous devez comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa !
papa. Réveille-toi. Papa. Ne me laisse pas toute seule. Bonjour. Donc une montagne couronnée d'argent. Bon, et ben voilà, pour un premier épisode, je trouve que 2h24 de live, c'est raisonnable. Et puis voilà, pour une petite découverte, pour l'instant, je trouve le jeu super bien. Il y a pas mal de choses à faire, des énigmes et tout, donc franchement, ça me rappelle l'ancien temps. Parce que j'en ai déjà joué quand j'étais un peu plus jeune, au tout premier Tomb Raider. Bon, après là, les graphismes ils ont bien changé. Hein. J'avais découvert Tomb Raider, c'est des vieux graphismes d'ancien temps, donc forcément, ça c'est forcément heureusement que ça a évolué. Je remercie tout le monde qui sont passés, à ceux qui sont restés, merci encore infiniment, et merci à ceux qui vont regarder la rediff. Je vous souhaite une bonne fin, une bonne soirée, j'allais dire bonne fin de journée, mais bonne soirée à vous. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure demain. Cette fois, aujourd'hui je devais streamer à 10h, mais excusez-moi, hein, j'ai pas pu être là à 10h. Donc voilà. Je vais essayer d'être là demain à 10h et puis on va continuer l'aventure de Lara Croft, Tomb Raider. Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit à ceux qui vont dormir et un très bon week-end à ceux qui regarderont pas la rediff et voilà. Bon week-end et bonne soirée à tous. Bye bye.